Femme algérienne, donnez-nous vos chars et vos avions et on vous donnera nos couffins, avait rétorqué l'Arbi Ben Mehdi à l'un de ses tortionnaires qui lui reprochait l'utilisation des couffins pour transporter des armes de petit calibre et des bombes artisanales. Couffins utilisés par les valeureuses femmes algériennes avec leur haïk blanc, tissu pour réelle pudeur, et Hadjar, voile surmonté d'un regard où perlait la beauté de leur âme. Pour leur pays, elles se sacrifièrent sans mot dire, subissant sévices sans geindre, accomplissant leurs devoirs au péril de leur vie pour que naissent libres leurs enfants futurs. Indépendance acquise, elles s'émancipèrent sans renier leurs valeurs, leurs racines, leurs croyances. Jusqu'au jour où, au détour d'un faux dogme, comme un faux barrage, venu d'ailleurs, un ailleurs où la mentalité sèche comme un désert, un ailleurs où la pisse de dromadaire a plus de valeur que le sang d'un égorgé innocent à peine pubère. Elles défièrent les gardes chiourmes d'un culte dont aucun dieu n'en veut. Elles défièrent leur faux barrage, leurs baskets américaines, leurs gandoura qatari pour pervers, leurs barbes ostentatoires d'Arabie, leurs lames persanes perfides et sanguinaires, leurs armes d'assaut russe devenues afghanes. Elles acceptèrent de nouveau le sacrifice, reprenant ainsi leur danse, danse nouvelle de résistance sur un air de couffin. Couffin qui avait jadis fait valser le colonisateur nommé France, danse devenue farandole pour que tout le monde se donne la main, participant ainsi à mettre fin au règne des pervers. Une décennie noire et 20 ans de purgatoire plus tard, la voilà toujours vaillante, à la fois émancipée traditionnelle, belle et toujours rebelle, toujours là. Telle une mère qui protège ses enfants, une épouse qui grandit son mari, une sœur sur qui un frère peut compter, une tante à qui se confier, une voisine pour aider, des compatriotes éternels dont le cœur est une musique qui fera toujours danser le monde. Algérienne, je vous aime.